des nouvelles des élections américaines. Bah oui, en ce moment, ça buzz sur le web. Mais là, c'est carrément Obama qui a déclenché les foudres de la toile dans l'émission de Jimmy Kimmel, c'est ça, hein? Il n'a pas déclenché les foudres, il est plutôt à l'origine du plus gros clash, même la meilleure casse de l'histoire selon les internautes. Je vous resitue le contexte, il est invité en direct à l'émission de Jimmy Kimmel. Il y a une séquence dans cette émission, pour ceux qui ne le savent pas, où les invités doivent répondre en direct aux méchants tweets. Ils ont un téléphone, ils lisent les tweets, ils répondent. L'invité Obama reçoit en direct un tweet de Donald Trump. Auquel il répond, regardez, écoutez bien, ça va très vite. Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point. At real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. Voilà la réponse d'Obama, et voilà évidemment comme ça circule sur Internet, la répartie a fusé, ça a été très rapide, très pertinent aussi, on peut le dire. Évidemment, tout le monde se marre, mais peut-être qu'on se marrera moins le 9. D'ailleurs, attention, Télématin, le 9 se mettra sur son 31 pour les élections américaines.